Turbulence. Turbulence sur Valley FM. Patrick Nivol. Vas-y, laisse-moi traverser, toi. Oh. Je suis avec mon Solex, là, sans casse, au passage clouté. C'est le feu vert, en plus. Même si bonhomme rouge reste allumé. Eh bien, c'était Les Bas de Jeanne. Nous sommes ravis de vous accueillir sur l'antenne de Valley FM pour, dans le cadre de l'émission Turbulence. Alors peut-être que le son n'est pas tout à fait parfait, mais c'est du vrai, vrai, vrai direct. Car vous l'avez compris, il s'agit d'un groupe qui n'hésite pas à faire du direct. Alors vous êtes un groupe local. Voilà, tout à fait. Vous avez l'air un peu triste quand même dans vos chansons. On est timide, surtout. C'est très timide. Ouais, ouais. On est un peu timide, ouais. C'est... Ouais, un peu de noir, ouais. Sous des aspects un peu festifs quand même. Aussi, voilà, noir et rose, voilà, les deux couleurs. Noir et rose, voilà. D'accord. Il y avait rouge et noir, maintenant il y a noir et rose. Voilà, nous c'est rose. Ouais. Alors, vous êtes ensemble depuis longtemps ? Alors, combien de temps maintenant ? L'équipe au complet, ça fait combien de temps, Cyril ? Stéphane, le bassiste, il est arrivé. Stéphane, le bassiste, hein, qu'on entend au loin. Non, arrivé il y a 6 mois. Alors, il vient de la Roumanie, bon. Il a encore ses papiers. Voilà. Alors, qui c'est quelqu'un? Alors, sur les questions de papier, vous pouvez venir à l'association Turbulence, on peut vous aider, sans merci, problème. Merci, vous êtes bien aimable. Tu vois, t'es pas venu pour rien. Non, 3 ans d'existence déjà. Alors, la rencontre, ça s'est passé comment? On s'est rencontrés par hasard, on cherchait un peu musicalement, un peu tous, et puis on a fait des belles rencontres ensemble, voilà, et puis du coup, ça m'a permis de fonder un peu cet esprit, un peu ces musiciens qui font du bruit, quoi. Donc vous composez et écrivez, c'est bien ça? Oui. Et alors, on arrange aussi tous ensemble. Et vous vous arrangez entre vous? On s'arrange entre nous. Surtout on s'arrange. Pour se mettre d'accord. Et donc vous assurez aussi les arrangements des morceaux. Alors je ne sais pas qui écrit, qui compose, qui arrange, c'est collectif, il y a un premier G, comment ça se passe? Il y a toujours une trame qui vient de quelqu'un au départ, c'est-à-dire soit Nono par exemple qui a un texte et puis il nous dit voilà c'est plutôt rose ou plutôt noir. On voudrait pas mal de pieds, donc du tempo, beaucoup d'arrangements, beaucoup d'émotions, donc beaucoup de cœur, peut-être pour qu'on s'arrange et justement que les arrangements soient un peu riches. Et puis après, on trouve des mélodies, des thèmes les uns les autres, on propose des choses, et puis sur une base qui est déjà en place par quelqu'un qui arrive avec une idée quand même, au départ. Beaucoup de latin, beaucoup d'on fait de l'afrobeat. C'est vrai qu'on écoute complètement des choses. Chacun a une écoute de leur musique. Chacun a son goût à lui. Et du coup, c'est ce mélange-là qui fait aussi cette richesse. Enfin, après, maintenant, on aime ou on n'aime pas, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est aussi. En tous les cas, moi j'aime. En tous les cas, je pense qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui doivent également aimer. On va peut-être écouter un autre morceau parce que finalement, on va peut-être découvrir cette diversité à travers le deuxième morceau que vous allez nous jouer sans tarder. On a envie d'applaudir. C'était donc Les Bas de Jeanne qui nous font l'amitié d'être présents aujourd'hui dans le cadre de l'émission Turbulence spéciale Noël. C'est mon morceau celui-ci, c'est pour ça que je suis fière. Alors c'est Véronique que l'on entend. C'est bien ça, je me suis pas trompé. Bravo, mais en même temps, il y a une fille, alors c'est un peu facile. C'est pas facile. Oh là, comment t'as fait ? C'est pas trop dur d'être la seule fille du groupe ? Si, c'est extrêmement difficile, je l'ai supporté à toutes les répètes, c'est absolument insupportable. Non, ils sont sympas. En même temps, ils se dégagent beaucoup de chaleur, de bonne humeur. Oui, on s'entend bien, et je pense que c'est ça aussi qui fait que la musique
sonne bien aussi. Alors, vous êtes un groupe, vous existez depuis 3 ans, certains se sont venus un petit peu plus tardivement. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 ans? On est quand même plutôt un groupe de scène que de studio. Voilà, on est. Et en 3 ans, quand il faut travailler, c'est surtout la scène. Nous retrouvons donc les Bas de Jeanne qui vont nous interpréter 2 morceaux. Donc, je vous dis au revoir. Vous avez tout dit ce que vous vouliez dire. Ouais. On rappelle peut-être les 2 dates. Il y a le 14 janvier, c'est où? Paris 20e, 16 rue du Capital, Marchal, je crois, Maréchal ou Marchal. En tous les cas, c'est le carrosse et c'est à la porte de Bagnolet. Voilà, ça c'est pour le 14 janvier, c'est à 20h30, 20h21h 20h30, voilà. Et la deuxième date, c'est le 3 février, et là c'est à MJC de Noisiel. Alors là, c'est 34 Cours des Roches. 77, 186 Noisiel. Voilà. Il faut réserver pour les 2 dates ou c'est accès libre? Non, accès libre. Accès libre. Comme ça sur l'antenne de Valais FM, vive les radios indépendantes. Concernant cette émission, on pourra réécouter connectez-vous 24h sur 24 sur turbulence.org.